Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision ALN TV. Bienvenue dans la quatrième sortie du journal 5-5 francs pour ce même ça. Rapidement, quittez me présenter nous divers points qui ont dominé à l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé une ouverture classe qui a fait en temps à cause de la catastrophe naturelle qui a frappé agressive là dans le samedi 14 d'août. Le 21 septembre 2021, cette date est tombée pour l'école de la Louvre pour 7 départements qui n'ont pas de frappé. Depuis 4 octobre 2021, trois départements qui frappaient notre unité qui se situe Gardens et Nouvelle. Collectif avocat Cap défend Louamoulou Kado dénonce ces phénomènes à l'image de la police toujours à faire. Il y a fait une série d'interventions qui fait un pile fin de temps dans le pays d'Haïti et puis demandé de respecter la loi dans le cadre des marches à faire pour libération des prisonniers politiques à cause de complications qui viennent dans quelques dossiers salés. D'un coup de ces armes bénézières de ces là qui t'a déjà devant la cour cassation. Handicapé ou foulé béton, j'ai sauté annoncé matin jeudi 10 septembre 2021. Un marchand qui était dans mes arcs plusieurs dizaines de handicapés sorti du plan local institution sacrée SNPH pour goûter devant local officier dans l'idée de partager avec un protecteur citoyen haïtien réalité et à vivre chaque jour. Après, il est victime Zach Maspinay a incendié mais la police Simo dans le mois de juin qui se passait à Camp Lapis. Lancement 7e édition prix journaliste en Haïti en baptême la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires dans la présence du représentant général de l'Organisation internationale francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine et puis divers partenaires qui ont participé dans le concours dans l'année 2020. C'est ensemble qu'on s'est dit que divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer, été branchés par déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Conjoncture politique là en Haïti toujours été dominée à crise institutionnelle là, côté situation a toujours été pendue sous diverses rencontres qu'a faites. En pile accord annoncé, il a signé, mais qui pour arriver à une conclusion. En pile secteur continue à faire proposition. Un groupe a choisi Ariel Henry, un autre a choisi président-sénat Joseph Lambert. Un pilote est strict exigé un pouvoir exécutif à deux têtes. Tout politicien a viré en haut, mais pas jamais rien qui fait dans tout bon vrai. N'a pas retourné sous diverses affaires dans l'actualité avec Jeannette Joissin et Kevin Loriston. Le temps de la rupture est venu. Le maréchal parlait, la terre a tremblé. Nous rendons compte de nécessité pour gagner une tête ensemble. Chaque groupe signataire ça au bon président au vle bail. Je pense que je suis cette personnalité politique. Debout ensemble. Et si politiciens haïtiens yo te connaissent bien ça yo ta faire. An pati avec yo ensemble manifestation qui habite fête pour exiger départ Jovenel Moïse sans condition. N'a passé prend plusieurs séances pays log qui crase économie pays a. Craser tes infrastructures qui te gagnent déjà, mettez plus insécurité dans le pays, augmenter misère peuple, grand goût, chômage, pour ne citer ça seulement. Cependant, qui est-ce qui te derrière tout mouvement ça? Qui est-ce qui t'a financé? Pour qui ça toute mobilisation ça t'a fait? Puis gros question, c'est à qui ça tout ça abouti aujourd'hui? Là, nous arrivons 7 février 2021. Toute opposition campée tant qu'ouke makak, yo rale constitution yo constaté mandat Jovenel Moïse fini. Yon ti parti na opposition an mette président Pali, Joseph Messène Jean-Louis, comme président provisoire qui pral gérer transition an.
Jovenel Moïse rete sous pouvoir pire aide. Opposition a faibli, rien pas réglé. Tout ça yo c'est nad marinade. Nada. Rien n'a été fait. Kounia, nous arrivons 7 juillet 2021. Boum! Jovenel Moïse mourit, assassiné en dans la caille. Qui est-ce qui touye? Pour qui ça yo touye? Qui ça assassin yo tapten après la mort? Depuis après la mort Jovenel Moïse, Ariel Henry présenté tête li comme petite légitime. Plus que yo arrêté présidentiel te nommé li avant la mort président Jovenel Moïse. Tête tout politicien yo chaud tan couvè lamp. Yon ti groupe campé derrière Ariel Henry, yon l'autre groupe choisi Joseph Lambert comme président provisoire, sans oublier Joseph Mécène Jean-Louis te déjà nommé président transition. Gayon l'autre groupe qui mande dialogue, compromis, consensus. Politicien yo voye pied à droite à gauche sans joindre aucune solution. Même problème yo a répété, même coup de bâton dans même des bourriques là, même crise yo, même politicien yo dans même pays Haïti. Mais rien pas réglé. Si réellement et si réellement yo te connaît ça yo ta faire. 30 août 2021. Commission cap chercher solution haïtien à crise là bay rendez-vous dans hôtel Montana pour s'y attion accord politique. Antion ensemble secteur nan vie nationale la. Militant politique rentre nan salle la, yo pété gros déblousay. Même gens ça t'est fait avant. Mais 200 organisations politiques t'est déjà signé à Kossi la. Le temps de la rupture est venu. Le peuple haïtien veut redéfinir son avenir en dehors de cet état administré essentiellement par des acteurs complices, locaux et étrangers. Debout, tous et toutes ensemble, contre la barbarie, pour la vie, pour la régénération de la nation et pour un mieux vivre ensemble. Sénateur Patrice Dumont, pour qui ça doit gagner un accord politique? Accord là important parce que institution pays a crasé, institution politique, ça veut dire institution républicaine, institution constitution prévoit, yo n'est pas capable de résoudre problème qui présente. Donc, c'est normal que société civile là et parti politique reconnaissent ça pour prendre relais institutionnel là. Et ou pas capable dans une situation comme ça, vous paraît ou dit, monsieur président. Ou bien yon petit groupe dit, mettez un tel président. Même jour lundi 30 août 2021, Ariel Henry réuni dans Caribe Hotel, Piwo Montana, pour s'y ati yon lot accord. Plus passe 200 partis politiques te présento. Chaque groupe réuni acti parti pa yo. Gouvernement Abdijia travaille sur un accord. Une autre fois encore, m'a demandé nous pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous connaître force nous ensemble, pour nous dépasser ce qui est qui gagne dans le temps. Depuis le commencement de l'histoire, nous entrons dans une révolution sans campagne, dans l'idée pour nous vivre ensemble. Bon côté Pali, secteur démocratique populaire a dit li pa chome. Y a continué rencontrer moun. Cependant, ça fait longtemps depuis yote déjà annoncé, yo t'a pas présenté yon solution ak nation. Jusqu'à présent, rien pou kou fait. Secteur démocratique là depuis un mois et environ trois semaines après l'assassinat qui était fait sous Jovenel Moïse là, nous pas gain dormi dans marché contre moun dans parti politique, moun dans société civile là, moun dans diaspora pour nous capable garder qui solution haïtienne pour nous porter dans crise ça qui paraît devant nous.
En pile monde reproche secteur démocratique là, yo dit nous té droit bay solution déjà ou bien l'opposition té droit bay solution déjà. C'est le moment encore pour nous rappeler chaque monde. Gay un coup d'état qui fait contre Jovenel, secteur démocratique là pas dans coup d'état. L'or pas dans coup d'état, pouvoir pas tomber dans main, c'est monde qui té fait coup d'état yo qui ramasser pouvoir coup d'état. Donc si c'était nous-mêmes qui devons voyer Jovenel aller dans condition de devoir voyer aller longtemps solution à crise qui t'a venir nous t'a déjà bailler la population t'a déjà en application longtemps ça. Joseph Lambert, président Sénat République là, compte tout pouvoir exécutif à yon sel tête. Li quoi c'est un exécutif bicéphale qui capable aider pays à cependant li quoi li c'est seul monde qui gagne capacité ak expérience pour mener bac pays au bon port. Qui selon Joseph Lambert besoin yon capitaine pour mener li bien et droite. Je pense que je suis, et j'insiste là-dessus, hein, que je suis cette personnalité politique qui doté de sa communauté carrelée, expérience nécessaire là, pour conduire Bakra à bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête marteau, vous mettez là, pour prendre un pays pour la guerre. Dans le monde. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je viens de dire, hommes d'État, qui croit que il est capable de créer, ça me décarrelé, gros rassemblement force ça autour de lui. On a intérêt à saisir cette opportunité. Sans engagement dans la je dis à lui, total. Nous avons tout le monde connaît ça. Et engagement, le monde qui a supporté nous tout, le total. Et nous avons besoin de l'engagement de tout le monde. Tant au niveau de la société civile qu'au niveau des politiques. Finalement, qui est-ce dans le groupe Sayo qui gagne une vision pour le pays d'Haïti réellement? Qui ça qui empêche yo joindre un consensus entre eux-mêmes? Eh bien, tout temps intérêt par l'autre là. Pas plus, li pap jam d'accord fait compromis. Kou sa bon pou li, l'a toujours vle dialogue. Lè sa pas bon pou li, compromis an pap jam fait. Li pas possible. Cependant, si c'était intérêt Haïti vrai qui t'est primé, les consa t'es déjà gagné un accord politique qui joigne à tout acteur. Collectif avocat cap défendre droit moun yo cadeau lever voix là dans cadre d'une conférence pour la presse le bay matin jeudi 10 septembre 2021 pour fixer position strict ça sur phénomène à image la police a toujours fait dans les y a fait une série intervention qui fait en pile famille to dans pays d'Haïti. N'invite au suivant pas de parole cadeau pour plus de détails dans micro Rini Aristen et puis Franz Picard. Un bon exemple, bon monde arrêté, bon professeur, il a arrêté non arrimage. Professeur, son bail la lâché madame, mais son bougie la lâché madame. DCPJ débarqué, DCPJ arrêté. Maintenant, le DCPJ allait l'arrêter comme ça. Maintenant, c'est après ça, DCPJ peut aller venir excuser. DCPJ Pral dit, nous nous sommes trompés de personne. Jusqu'à présent, professeur n'a pas cap travail. Parce que ONG, bureau l'État à côté de l'appliquée, bureau l'État a dit, ah mon cher, moi photo sur réseau social, moi photo tout côté comme bandit, donc vraiment désolé, ou pas cap travail encore. Mais qui impact psychologique, mais qui impact social ou fait sous monde ça lorsque vous prenez sa photo, vous publiez la photo sur les réseaux sociaux pas avant même qu'il ait été jugé par un tribunal compétent.
Et qu'on n'a pas demandé l'excuse. Mais par contre, on n'a pas fini ou fini avec là. Je connais d'autres personnes qui sont victimes des agissements de la police. Et nous-mêmes, comme avocats, nous avons dénoncé ça. Nous avons demandé pour l'autorité. Et nous connaissons, dans la police, là, bon section droits humains. En dans plusieurs institutions, il y a des sections de droits humains qui là pour pencher sous question respect droit moun. Nous-mêmes cadeau, dans niveau cadeau, nous dit Léon Charles, nous dit tout au état-major la police là, changer mode de pratique ça yo. Ou arrête ton monde d'ailleurs ou après j'ai fait dans l'autre pays, même pour bandi, même pour gros bout terroriste. Système français, système judiciaire français, à bon façon, depuis l'arrêté moun nan, li bouye image moun nan pour respect intégrité morale moun nan. Gan pil ti jeune nous fin avec courage comme ça, gan pil ti jeune nous fin avec vieux comme ça, et nous même comme avocat, n'a mandé pour toute institution qui dit y a bataille pour respect droit moun, pour faire pression sur DG la police, pour changer méthode, parce qu'on ne peut pas accepter que DG la police a connaît sa crée les droits moun nan, qui connaît respect de la présomption d'innocence pour la d'accord accepter que publier photo en moun sans que c'est pour un juge compétent qui dit oui ou non moun sa coupable. Et notre bord, maître Arnel Rémy pour te lumière pendant tout profiter by conseil à collègues avocats et puis quelques militants pour mandé respecter la loi dans cadre démarche il a fait pour libération prisonniers politiques à cause de complications qui gagne dans quelques dans dossier ça yo. Dans coup dossier Arnel Belizier de ceci là qui t'a déjà devant la Cour cassation. En supplice détail encore à mettre Arnel Rémy, Nami Corine Aristel et puis Franz Picker. Selon accord politique concret qui a permis que Arnel Belizier, Abelson Gonek, tout l'autre monde dehors, selon accord, pour qui ça me dit ça? Le dossier d'Arnel Belizier se trouve pas devant la Cour de cassation. Et actuellement, il n'y a pas de président pour nommer les juges de la Cour de cassation. Le premier ministre n'est pas habilité à nommer les présidents de la Cour de cassation. Et le commissaire gouvernement fait pouvoir. Il dit son dossier, il a clété, il a voyé là. Non, poubelle, j'en dis. Mais la seule façon pour nous retirer à Belson Gounek, c'est tout acteur politique, le président Palvina dans le gouvernement bicéphale, ça, pour dire que nous avons un accord politique, en dans un accord politique, ça, que tout secteur signé, dans la feuille de route gouvernement, ça. Libération prisonniers politiques en premier. C'est très important. C'est très très important. Puis quand nous quittons personne brouillé nous, à savoir pour nous demander. Non. Je suis respectueux des institutions. Si me dit la guerre en El Kounia sans respecter les institutions démocratiques, dans pile l'autre qui parle de la guerre autour. Non. Président qui parle là, pour le ministre qui parle sortir dans le gouvernement de transition, c'est pour vous inscrit. Dans la feuille de route de libération, tout prisonnier, tout le monde qui est dans la prison de manière illégale et arbitraire. C'est très important. Et il faut comprendre que le dossier Abelson Gonek, la semaine prochaine, le doyen aura à rendre sa décision. Pas oublier que je défends Abéas Corpus. Je défends Abéas Corpus en forme de ordonnance pour que si le doyen a plagué, si le doyen n'a pas plagué. Si pas plagué, je fais ce que je dois. Mais cependant, nous-mêmes nous disons, tout le monde qui a signé encore, tout le monde qui peut aller en sortie de crise, tout le monde qui est d'accord pour retirer le pays dans ma race que l'on là, pas oublier que les prisonniers politiques jouent un rôle important dans la bataille pour revendiquer de meilleures conditions du peuple haïtien. Surtout à Belson Gounek, qui est Pierre Semelius Babal, Paul Joannel. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là. Il était branché par déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé une ouverture de classe qui a fait en détente à cause d'une catastrophe naturelle qui a frappé Grand Sud là, dans le samedi 14 d'août. Le 21 septembre 2021, c'est la date qui est pour l'école là l'ouvrir pour 7 départements qui n'ont pas frappé. Et
depuis 4 octobre 2021 pour 3 départements qui frappaient dans le tremblement de terre qui se cite Gadens et Nip. 4 prisonniers joignent dans le moyeu, 9 autres sauvés dans la prison civile Tikwavla, d'après bilan passé l'autorité policière dans la cité Faustin sous l'autre incident là passé de septembre 2021 environ 10h dans le matin. L'autre information, amis téléspectateurs, pièce en solution pour qu'on apprenne pour résoudre la crise politique du pays d'Haïti pendant divers accords à passer pour résoudre des problèmes dans le pays. Qui sait, il veut joindre un gouvernement stable, sans force côté, sans intérêt personnel, mais semblait décision ça loin pour prendre à cause de goumen qui gagne dans le temps opposition de Yella. Gadi Bartelmi a pris mon fort dans un dossier spécial. Yo aprele ya viré do banou. Des mois après assassinat ancien président Jovenel Moïse, bataille pour pouvoir commencer à tailler mandal dans société a. C'est jouet coquin, jouet madame k'ap joué pour arriver diriger pays d'Haïti. Gouvernement, opposition, société civile, aucun nan yo pou kon antan yo sou pi bon décision k'ap pran pour diriger Tiboutè Papa Desaline après gouvernance ancien patron Agri Trans lan. Parce que chaque clan, chaque groupe gen ti solution soti krizyon babral. Pour satisfaire intérêt personnel yo. D'après quelques soti crab, divers acteurs politiques fait dans la presse, nous avons l'impression tout monde soukou. Organisation sociopolitique Vive Haïti a dénoncé secteur démocratique comme quoi yo ta joine job dans PM Ariel Henry pour quelques ministères ak machine BMW. Pendant ti peuple là, pas ka même voyon chèk bon goût. Si c'est pour causer, gagne oui. Mais c'est tant que manqué. Pendant temps ça, gen Sila qui signe pour président tire Sénat Joseph Lambert, ta vinn mené transition pays a pour ta gen yon président ak yon premier ministre sous pouvoir transition. Kon sa tout gen yon l'autre catégorie qui votait pour Ariel Henry sel kòk chante dans la koua qui pou couper, racher nan ti tan li rete a jusqu'à ce que gen élection. Et puis qui élection possible? En tout cas, gen causé dans la République. Non pas oublier tout société civile là qui dormi rêver faut gen yon accord politique pour y joindre yon solution à crise politique pays a. Représentant yo ki gen la dan Magali Komodeni, Ted Syndic, pour ne citer ça yo seulement, chita parler avec diverses organisations pour discuter sur yon accord côté tout moun la dan pour bay pays a yon gouvernement honnête sans intérêt personnel. Eh bien lundi 30 d'août qui saut passé a dans l'hôtel Montana, l'obey pété, parole piment bouc lancé, chaise tirée, militant vexé, mais ça pas t'empêché. Parti ak regroupement sa yo te rive siye un document ki pote nom akò 30 daout la. Nan même journée sa, gen yon lot akò ki te siye nan l'hôtel Caribe kote PM Ariel Henry te présent. Et puis gen 200 organisations ak estrikti politik ki te arrive d'accord pou mete tèt ansanm ak PM nan pou dirije peyi a comme sa dwa. N'a pa rappelé, c'est pas première fois akò ap siye nan la République. N'ap sonje te gen accord El Rancho, accord Marriott, jis nou rive nan accord Montana. Se accord sou accord, men ki pa jam akorde ak realite peyi a. Pendan an pil kesyon gen tan ap pose sou aveni denye accord sa ki batize accord Montana. Secteur démocratique populaire gen tan voye jete nan la poubelle. Sans blier premier citoyen primatia ki pa digere tande nan oreille li koze président provisoire sa. Parce que Jean l'ap dirije peyi a pou kol la, c'est kon sal bon. Pendant pep grand sid la pa konn ki sen pou le rele encore après tremblement de terre 14 d'août la ki kite en pile dommage. Kidnapping nan ki retourne pou pi bèl, to ya chak parti politique ap voye yon sou lot comme quoi. Yo ta gen même pa ak regrete mémoire Jovenel Moïse opposition te kon ap critiqué et puis c'est yo kap tete lang ak même citoyen oligak sa yo sin ka kwe façon ancien sénateur Nenel Kasi te crié wo et fort comme moun ki te financé campagne li sans pas oublier goudla ki continue pran patasswel nan mélange américain la vie a vinn pi chè l'école ki pral louvri pendant gouvernement poko di anyen pèp ayisyen li même en mode slogan ancien président René Garcia Préval l'a nager pour le sortir même si toute colle dans bouche gros politicien qui les blancs qui les noirs qui les rouges et noirs
sous couverture la loi, l'ici fait. Je t'annonce le gratuit aux amis téléspectateurs handicapés ou foulés béton. Jean Sartre a annoncé matin, jeudi 10 septembre 2021. Yon marchan ki te tanmen ak plizye dizyen moun handikapè soti devan lokal institisyon sakri le BICEP pou voute devan lokal OPC nan lide pou pataje ak protekte sitwayen ayisyen yon realite yon viv chak chou. Apre yon ta viktim zak maspinay ak insandi nan men polise simo nan mwajen ki sot pase la nan kan lapis. Yon seri zak a kite la ko yon plizye santen kay boule plizye nan yon te pataje epi bay fistrasyon yo ak anpil pawol pi mambouk nan mikro Rinea Aksten epi Friend Speaker ki te sou plas. Nou trouve nou sou la lu pou nou pote pou zan mi telespektate Alen TV yo masa ke plizye organizasyon handikapè ki soti sou kan lapis te anonse nan kad konferans pou la pres ki yo te bay mèkredi 1er septem ki sot pase ya. Yo te komanse nan lokal yo devan BCF ki se bio integrasyon moun handikapè yo. Pou kounya la yo sou la lu kote yo pral fini devan lokal OPCA kote mesaj yo se justice ki ap mande pou kay yo ki te krasé pendant mwa juin ki sot pase ya pa ajan Simo mande l'état haïtien ba yo kle kay yo parce que faut que retire dans la rue parce que la pli ap mouye yo et kote yo nan lokal BCF la pa approprié et mande tout pou CAS ba yo kòb yo chaque mois jan ou ta de ba yo parce que kounya yo chaque 6 mois que CAS ba yo Ticobla et yo gen plusieurs autres revendications encore dans moment manifestation ça dans moment massa qui a scandé mais vite au suivre ensemble avec nous gros massa que moun handicapé yo a fait dans la rue Port-au-Prince spécialement sous la rue. Nous allons là pour deux selbis simplement. C'est 6 mois, c'est 17 juillet 2021 qui boule chez Tepam, achète toute l'école où elle a eu. Depuis que nous allons là, si l'État ici a persécuté nous par 6 mois, qui s'est si mal dans la justice, qui s'est dégoûté avec la justice, si nous persécutons par l'État ici, nous remplissons des voix, nous comme tous citoyens. Nous ne pouvons pas dire que nous handicapés pour nous ne pas payer taxes. Nous faisons toutes pièces, nous. Nous mangeons dans le pays, nous mangeons dans le pays, on paye taxes. Dès que les pièces, nous payons taxes. Mais nous sommes citoyens ici. Si nous pensons qu'il n'y a pas l'État ici, nous disons que l'État ici nous mettons deux bagailles. On dit à la choisir ça le voulait. Nous demandons que l'État ait nous ces conditions. Si on va nous que l'État ait là, asile politique. Qu'est-ce que c'est? Côté ambassade et la croix rouge anglaise te mette nous depuis après 12 janvier. Nous te gen kay nous, même les cette échelle, mais nous battons ferme kay. Kounya si moi rentre, boule li, yo dit parce que nous gen chimè avec nous. Si gen chimè en encore handicapé, c'est l'état qui a cause. Parce qu'il y a quelques mètres de quand la fille ça, ben si moi là, si moi te doué, si ou bien mettre en prison, qu'on est entré au boulet avec nous, et puis on a que nous dans la rue, l'État va changer pour nous. C'est pour l'État franchir pour nous faire nous cailler, pour nous faire nous clair. Parce que c'est ce qu'il fait nous, nous pas notre travail, nous pas gagner, nous pas que monde qui responsable nous, il faut l'État pour nous en clair, pour nous jeter côté pour nous être. Justice pour ce qu'il fait, l'État va changer pour nous. Soit si on dit nous que soit notre désir, qui responsable nous, soit notre pas faire pour nous, il va jamais dire nous. C'est notre mode de réparation, justice, en clair, en clair. Si on va vers nucléaire, c'est asile, asile, en clair, asile, en clair ou bien asile. Come on!
merci moi. Je m'ai tiré moi. Ça merci moi. Je m'ai tiré. Je m'ai tiré là. Madame discussion à vous. Simon, parlez à nous. Sortez là, sortez, sortez. Sortez, comment moi. Plusieurs dizaines handicapés t'es annoncé que tu as fait matin jeudi de septembre non t'es fait effectivement je t'ai traversé tout rue dans la rue jusqu'à ce que vienne en bout devant OPC message là pas de changer c'était toujours bayo cléo toujours demander asile si pas bayo clé caillou toujours demander CAS répondre avec atiarier et comme chaque mois qu'on bayo mais puis on chaque année, puis on va chaque 6 mois. Pour te servir, Massa Lakayou, c'est tes serviteurs Aristène René à Pontifica depuis la Ligue. Les amis téléspectateurs, c'est pour mon 3e pouce là. Était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés mes téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Le ministère de l'Environnement procède avec démarrage officiel d'une activité qui est de 15e aux zones pour marquer journée internationale protection couche aux zones jeudi 10 septembre 2021 dans le cas Lis sur route aéroport. Sorti premier pour arriver 15 septembre, ministère a voulu attirer attention grand public là sur comportement yo face à l'environnement. Ministère a pas seulement sensibilisé population mais l'a informé à informé li sur gens li doit servir à qui on série produit qui nocif pour environnement et c'est seulement couche aux zones
Astrel Joseph, à CDG MADE, la pote précision pour nous, dans le micro, Jeanne Joassin et puis Kevin Pierreville. Jodi à nous là pour nous capables de démarrer avec quinzaine ozone. Alors, nous relè le quinzaine ozone, c'est parce que nous prévoit, ou bien en prélude, à 16 septembre, qui est journée internationale protection couche ozone. Ok, en prélude à journée ça, nous prévoit du 1er au 15 septembre, quinzaine ozone. Quinzaine ozone, l'importance, c'est pour atteindre grand public là. Ok, pour attirer attention yo sur comportement yo à environnement. Et comportement ça n'est pas seulement pour nous sensibiliser mais pour nous partager avec yo toute information que nous capable partager avec yo pour nous capable montrer yo comment pour yo servir avec une série de substances, une série de produits, une série de matériel qui capable ou bien qui très nocif à environnement et spécialement couche ozone. D'accord? Nous avons un technicien là, c'est lui-même qui est directeur bureau national ozone, c'est Jacques Salomon, qui va parler nous techniquement de importance une série de matériel, importance une série de substances qui néfastes ou bien qui causent des problèmes pour couche d'ozone. Eh bien, je dis à ministre environnement, côté que il y a un pile initiative que l'a réalisé qui lié à mandat que il y a sous protection ou bien sous coordination aide dans la grandance, li même tout, activité en parallèle, yo, li très penché sous yo, li très renforcé yo, côté que jodi a, nous kap parler de couche d'ozone qui concernait tout le monde, n'importe côté nous y sous la terre, et spécialement en Haïti, côté que nous avons une série de produits n'a servi, n'a pu utiliser, sans que nous ne rendions compte, sans que nous ne connaissions, à chaque fois que nous utilisons des produits, ça yo, il y a des réactions nocives, il y a des réactions, il y a des impacts négatifs sur l'environnement et spécialement couche d'ozone. Donc je dis à nous démarrer avec 3 journées porte ouverte dans le ministère de l'environnement et là à côté nous y a nous dans bureau national ozone. OK, côté que nous gain toute une série d'informations, nous gain des pliants, nous gain une série de matériel qui exposé et matériel ça c'est pas le ministère de l'environnement qui pourrait servir avec. Ministère de l'Environnement pour le faire monitoring, comme si pour le faire suivi, évaluation, avec institutions qui pourraient utiliser matériel. Ça. Et ministère de l'Environnement, 16 septembre, comme journée internationale ozone, ministère de l'Environnement pourra le gagner pour les réunir avec des institutions, des écoles techniques qui concernent par utilisation matériel, ça yo, côté que li pral toucher en pile aspect avec yo pour sensibiliser non seulement sur usage matériel ça yo et comment pour yo capable protéger couche d'ozone avec matériel ça yo. La semaine 7e édition prix journaliste en Haïti n'a présence représentant général organisation internationale francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine là et puis divers partenaires qui étaient participé dans concours SILA dans l'année 2020. Concours ça fait en baptême la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Candidat qui intéressé yo ka toujours aller sur site OIF là et puis soumettre candidature avant 1er octobre 2021 pour pita à 11h59 na aswe. On suit plus de détails avec Emmanuel Odjovi qui se représentant OIF dans Caraïbes là dans micro Gadi Batelmi avec Kevin Loristo. Agit la société haïtienne. De quelle façon les hommes et les femmes d'Haïti, individuellement ou collectivement à travers leur organisation et leur État, répondent à ces défis? Comment gèrent-ils les risques en question dans leur environnement quotidien et par le biais des actions qui sont menées ou identifiées? Quelles sont les initiatives qui permettent de faire face efficacement aux risques identifiés? Et quels sont les comportements et les actions qui affaiblissent les capacités de la société à mieux se préparer aux catastrophes naturelles et parfois humaines qui endeuillent périodiquement le pays? Quel impact ont cette succession de drames sur la population et les institutions? Telles sont quelques-unes des questions qui constituent la trame du thème de la 7e édition du prix Jeune Journaliste
en Haïti. Les conditions générales de participation au concours n'ont pas changé fondamentalement. La participation se fait à titre individuel. Il faut être âgé de 18 à 35 ans au plus tard le 31 décembre 2021. Donc, si on a 35 ans avant, ce n'est pas la peine de postuler. C'est au plus tard le 31 décembre 2021. Résider en Haïti, présenter un reportage original n'ayant pas été soumis donc aux précédentes éditions du prix Jeune Journaliste en Haïti, ni à un autre concours, ni préalablement diffusé sur quelque support que ce soit. Ne pas avoir été lauréat du prix Jeune Journaliste en Haïti sur l'une ou l'autre des catégories dans les éditions précédentes, parce qu'on fait ça aussi pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce prix. Pour ce qui concerne les conditions particulières, les trois catégories sont maintenues. Pour la presse écrite, il s'agit de proposer un reportage écrit comportant entre 1200 et 1500 mots en langue française. Avant, c'était 1000 mots. Maintenant, on sait qu'en Haïti, on aime quand même ouvrir la bouche ou beaucoup écrire. Donc, on a essayé de tenir compte, mais cela n'empêche de respecter les techniques et professionnelles. Pour la catégorie radiophonique, présenter un reportage radiophonique de 5 minutes maximum en langue française. Pour la catégorie télévisuelle, proposer un reportage audiovisuel de 5 minutes maximum en langue française. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le règlement de ce prix qui se trouve sur le site de la jeunesse francophone qu'on appelle jeunesse.francophonie.org. jeunesse.francophonie.org, on aura tous les détails et connaître toutes les conditions pour pouvoir postuler efficacement. Ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, remercie OIF qui choisit TEMSA pour concours ça et puis profiter pour lui faire connaître TEMSA pour aider des jeunes journalistes à grands politiciens à prendre le pays et puis apprendre tout protéger l'environnement. En surprise, il est toujours dans le micro Gadi Barthelmy et puis Price Blanfort. L'OIF a toujours soutenu la démocratie en Haïti et à travers les mots de la secrétaire générale, l'institution a renouvelé son attachement aux valeurs qui en découlent. Comme pour ce gouvernement conduit par le Premier ministre Dr Ariel Henry et dont je fais désormais partie, Mme Moshiki Wabo a encouragé la recherche d'un consensus toujours plus large et réitéré son appel à toutes les parties pour qu'elles s'engagent dans un dialogue inclusif afin notamment de réunir les conditions à la tenue d'élections présidentielles et législative, libre, fiable, transparente et consensuelle. Fin de citation. Je voudrais ensuite présenter mes chaleureuses salutations aux différents représentants des institutions partenaires qui ont uni leurs efforts pour rendre possible l'organisation de ce prix de journalisme. Depuis tantôt 7 ans, ce concours, organisé avec succès par l'OIF, conjointement avec ses partenaires, vise à découvrir et à promouvoir le talent de jeunes journalistes francophones en Haïti. Donc cette activité marque un jalon dans l'histoire des relations de coopération entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'OIF. Aujourd'hui, le monde traverse des changements majeurs jamais connus depuis un siècle. La crise sanitaire mondiale qui vient confirmer notre vulnérabilité face aux nombreux défis climatiques et environnementaux, ces risques génère de nombreuses incertitudes dans la société haïtienne. C'est dans cette perspective que le ministère de la Culture et de la Communication, en tant que partenaire de l'OIF sur plusieurs domaines notamment, participe au lancement de ce concours autour d'une thématique de grande importance et je cite le directeur de l'OIF, la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Mesdames, Messieurs, ce thème illustre bien la situation actuelle qui domine notre pays. L'appui donc du ministère de la Culture et de la Communication à ce projet confirme encore une fois son engagement à soutenir le développement du secteur de la communication par une prise de conscience grandissante
à l'égard des jeunes. Pour finir, les amis téléspectateurs, délégué départemental Sidla, Serge Chéri, dit la saisie tendue pour quantité d'aide qui annoncée pour le département Sidla, mais véritable victime n'a pas bénéficié en rien. Représentant exécutif là toutefois reconnaît bien ONG qui souterrain qui pas réglé en rien. Délégué départemental Sidla, Serge Chéri, pour plus de détails, dans micro correspondant nous, dans Sid, Richemont Joseph pour Island TV. Je veux pas non, c'est que c'est éliminé, c'est garder ce cap diminuer la question de temps. Mais expérience, d'après information que nous avons, d'après terrain que nous avons et tout, garder les gens qui sont de l'autre côté, qui nous planter tant de là tout au niveau département, au niveau ville locale. On prend garder les gens qui sont de Port-au-Prince, ou même qui sont de Grécy ou de l'autre côté, pour vivre que nous une situation difficile là, les gars viennent planter tant là. Mais nous avons fait tout moyen pour nous éviter la question de temps, parce que la question de temps, elle n'est pas bon pour l'image et du local. Mais par contre, sur la question d'aide là, Femme dit nous que l'aide là n'est pas une aide massive qu'il a. Et les maps dans la radio, les maps pour volume et de cap venir au local. Et même m'a demandé côté aide ça passé parce que nous-mêmes qui là et premier ministre actuel là, il m'a demandé pour que toute aide passe par protection civile. Et ce qui est arrivé quand mon gars, il y a des secteurs privés qui allaient, qui baient, qui fait des petits bagages. Mais il y a des organisations tout qui là, qui pas prêt de moyen. C'est des monos qui a distribué un 20 prix là à côté, dans 1000 monde qui besoin prix là. Et puis photo à faire, et puis vous comprenez. Mais ça nous fait là, ouais, distribution ça ouais, nous fait là. Je dis, c'est après une pile discussion avec partenaires. Yo. Nous dit passez pour un partenaire, si tu as et peut-être Tiburon, yon et Maniche, et bien yon Kabere. Nous dit pour nous faire distribution, on garde si nous mettons tout ça ensemble, et puis pour nous faire des distributions de masse. C'est ça que je dis à arriver et peut-être faire distribution dans 6 endroits différents au niveau ville locale. Parce que si vous bien regardez, c'est au moins, nous avons dit au moins 5 partenaires qui ont des débats consistants. Qui a baillé là? C'est PAM, c'est OIM, c'est UNICEF, et puis c'est CRS qui a baillé aussi. Mais avec l'État qui a commencé avec FAES, mais à part de ça, il n'y a pas tellement de gros bagages qui a fait. Mais là, ça, le bail, nous avons posé, nous avons demandé au peuple là, c'est que c'est des gens, chaque fois que la distribution où est là, et qui est prêché des malheureux avec malheureux, joignent des bails substantiels pour capable vivre. C'est-à-dire que pour faire prix là, ce n'est pas deux trois prix là qui distribuent. Mais il y a pile nek tout qui prend prix là et il vend. Mais nous même ça qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas Mouba, c'est Jansan. Pour nous, c'est relèvement. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons d'un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais enfin, nous allons quitter le rappel de tout le monde. Premier ministre Ariel Henry a annoncé une petite classe qui a fait en tête à cause de la catastrophe naturelle qui a frappé grand Sidla dans le jour samedi 14 d'août. Le 21 septembre 2021, cette date est arrivée pour l'école la Louvre pour 7 départements qui n'ont pas frappé. Et puis 4 octobre 2021, pour 3 départements qui ont frappé notre monde qui se situe en Gardance à Nouvelle. Collectif avocat qui défend l'homme de cadeau dénonce ces phénomènes à l'image la police a toujours fait. L'AI a fait une série d'interventions qui fait un pile fin de temps dans le pays d'Haïti et puis demandé de respecter la loi dans le cadre des marches qui a fait de libération des prisonniers politiques à cause des complications qui viennent dans quelques mois de ces dans le cours de ces arrêts de misère de ceci-là qui t'a déjà devant la Cour cassation. Handicapé ou foulé béton, je s'adapte à ce matin jeudi 10 septembre 2021. Le marchand qui était tombé à l'accabiser 10 millions handicapés, sorti du pouvoir local, institution sacrée, SMPH, pour bout à devant local OPC, dans l'idée pour partager avec un protecteur citoyen haïtien, réalité et à vivre chaque jour.
après yon ta victime Zak Maspinay ak incendi nan men la police Simo nan mois jen ki sot pase ya nan kan Lapis. Lansman 7e edisyon pri jounalist an Haiti an rater nan sosyete Ayisyen fas a polisyen klimatik anvironmantal e saniter nan prezans reprezantan jeneral organizasyon internasyonal Francophonie pou la Karaib ak Amerik Latine nan epi divers patnè ki te patisipe nan konkou si la nan l'anè 2020. Zan sam konsa yo ak a divers lote ki te devlope li te branche televizyon LNTV pou espo yon mason. Bye bye.